Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, parlez Haïti. Eh bien, je dis à si on a le plaisir, l'autre occasion, moi, tourner encore sur la plateforme, non? Avec une autre nouvelle pour te battre nous en détail. M'salye nous, quel que soit côté nous brancher, n'attendez, n'abgardez Chanel, parlez Haïti. Salutation par nous spécial. Que papa bon Dieu qui gagne tout pouvoir, qui est dans le ciel là. Et continuez béni nous, fait pour nous passer avec nous. Merci en pile. On a le très bien. Et tout côté haïtien passé, haïtien pas bien, madame, messieurs. Ok, ça triste en pile. Et bagaille la grave mes amis et un dominicain nous pour regarder sur écran là nous pour mettre sur écran là meni n'a regarder dominicain ça là madame monsieur dominicain ça n'a regarder là il coupe tête avec pouillette des haïtiens les ont demandé pour qui ça il fait ça il dit c'est parce que il pas veut une nation ça qui relé haïtien et bien il fin couper tête yon haïtien. Li coupé pour y être en l'autre haïtien, li tchak yon bakout manchette. La police mette l'en bas code, yon pose la question pour qui ça le fait crime ça. Li dit c'est parce que nation qui est les haïtien, li pas vle ouè ça. N'a regardé le sous-écran là, madame, messieurs. Eh bien, et ça passe dans zone Bavalo. Bavalo et Villa Playboy. Ok? Villa Playboy dans Bavalo en République Dominicaine. Pas oublier semaine ça yo. Et qui plus passe de 500 000 haïtiens qui traversent les frontières sans papier, d'après constat, yon organisation droit moun dans Saint-Domingue fait. Ok? Yon organisation droit moun dans Saint-Domingue, lui dit, non, moi, ça, là, qui c'est moi, avril, là, c'est moi qui plus haïtiens entrer en République Dominicaine. Haïtiens ont entré sans papier parce que, et majorité haïtiens, ça, c'est parce que, y a couru à le réfugié contre dossier insécurité qui a passé dans le pays. En pile haïtien prend tête pour yol pour yo. Eh bien haïtien dominicain ça n'a regardé là monsieur ton CD haïtien li tchak en bakout manchette li coupe tête long yon là on mandel pour qui ça li dit nation qui relè haïtien li pa vle wè ça même li dit comme ça si t'es pour lui s'il t'es capable il t'a tué tout haïtien. Eh bien dominicain ça va la messe malgré li t'es en bas mais la police li pa peur parler li parler li ba raison qui fait le tuer des haïtiens monsieur son mon fou ben monsieur tuer haïtien yo ça passé dans zone Bavalo en République Dominicaine dans une zone qui est Villa Playbou si on est Saint-Domingue qui si on qui a Saint-Domingue ou quoi côté que les zones Bavalo et eh bien journal dominicain et yo critiqué en pile haïtien et dans façon haïtien à rentrer en République Dominicaine parce qu'il dit gion groupe haïtien qui rentrer dans Saint-Domingue là bagala exagéré yo fait connait. Semaine ça yo, plus passer de 500 000 haïtiens traverser frontières de façon illégale. Il y a couru. Majorité là de déclarer, c'est parce que il y a trop de violence en Haïti. C'est parce que problème insécurité a ravagé le pays. Il n'y a pas qu'à arrêter de prendre la mort. Il est obligé à le réfugier en République Dominicaine. Merci, vous êtes sur l'écran. Madame, messieurs, c'est ça, la gagne au droit dans le pays. Haïtien par gué côté, libon même. Tout côté haïtien passé. Il a marché tout hier haïtien, ça triste. Mais c'est ça triste en pile, monsieur. Ça triste en pile, monsieur. Haïtien a couru pour rivière ou al tombé. Ou couru pour dire fait, ou al tombé dans comment qu'on dit encore? Ou couru pour dire fait, ou al tombé dans la mer, pas vrai? Écoute ça. Vous comprenez? Dossier insécurité a mangé mon en Haïti, bandi a chakage mon tire mon. Haïtien a couru al réfugié en République Dominicaine, bandi a marché tiré et bon dominicain le connia là, il a marché tout hier haïtien. Yo dit pas vle nation que haïtien. Ouais, Dominique ça malgré yo kimbel. Mon cher monsieur dit nation que haïtien pas vle ça même. C'est des quatre tout haïtien t'a fait le connia. Et c'est allo nation de vente, ça allo nation qui a passé misère, qui a prendre déception c'est haïtien. En tout cas, bon Dieu compte toute bagaille un jour ça va jour haïtien. Et maître Edia Emile, professeur Edia Emile qui c'est un économiste, un professeur tout droit. Eh bien, professeur Edia Emile déclaré si nous avons couru derrière Jovenel Moïse, ce n'est pas seulement des Jovenel Moïse pour nous courir tout. Professeur a fait qu'on est des bourgeois, gros palto, fuck peuple là, m'en lever derrière gros bourgeois ça tout. Tendez bien, oui? Professeur a dit Emile fait qu'on pendant que nous avons souqué Jovenel là, on souqué classe élite là, qui prend l'économie pays en otage. Et dit Emile, m'a rappelé, si on a haïtien, sérieux, compétent, qui dans le pays, madame, monsieur, oui, me déclare ça, Edia Emile. Son haïtien compétent qui a bataille qui tellement remis le pays, tant que moi-même comme ça.
Bon, nous pas gain pièce qui veut dire n'a parlé, c'est pas pour dire pour intérêt nous. Parce que conseil là qui a parlé chaque jour qui propose qu'il y ait un pays plutôt si on zo il y a soucé. Bon, il y a nous y a soucé pour un pays plutôt menti. Il va un pays à vrai. Il y a déchet pied pays là. Madame monsieur on a des professeurs dire. Ouais vidéo ça, son vidéo qui vraiment important. M'a demandé attention pour attendre professeur dire mille quand ton professeur a parlé des problèmes pays et puis c'est parler tout de solution tout. Bon? Parce que nous ne pas parler de problèmes pour nous chercher des solutions. Même si on a un livre mathématique dans nos amis. Dans le livre mathématique, là, on a prédit que ça, on a prédit que le problème n'est pas pile, ça ne va pas le faire. Et bien, si on pas chita, poser tête ou chercher formule pour résoudre quelques problèmes dans le livre mathématique qui n'a pas le temps. On va faire tout le temps, on va faire année l'école là, on va marcher avec le livre ça dans le temps. Vous comprenez ce que là? Je vais prédire encore pour comprendre. Si on a un livre mathématique dans le temps, par exemple, nous en classe ou un livre mathématique. Ou après, nous dit tout le monde nous jouons. Mon cher, tout problème dans le livre, ça arrête, je ne peux pas faire rien, je ne peux pas résoudre. Sous pas chita, ou chercher formule pour résoudre quelques problèmes qui dans le livre mathématique, ça, année l'école la mouille sous dos, ou pas font pas quitter un panago dans la salle classe. Merci. En attendant, professeur Edier Emile, madame et monsieur, ça est important. Entendez ensemble. Nous toutes mêmes, entendez, professeur Edier Emile. Démontez plusieurs. M'expliquer clair. Côté qui a subventionné produits importés, ah bah existe aucun côté. Ça veut dire pas qu'à une production de riz à caille, pour m'a subventionner du riz qui a sauté dans l'autre pays, pour du l'autre pays, à caille bon marché. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun sens. Alors, c'est même mesure ça a que tu prends sous Nanfi qui crase l'économie en jeudi. Et puis, il y a un reprendre. Mais qui ça a cherché? Comme du riz, c'est 4 personnes seulement qui importent en Haïti. Il y a besoin de 4 personnes qui font un coup. Donc, il y a retiré la taxe sur du riz pour 4 personnes qui font un coup. Sans du riz, il n'y a pas jamais descendre vraiment sur le marché. Absolument. En conclusion, décision politique pas prend en faveur population. Yo motivé et yo souvent gen intérêt ko pa wè. Donc moun ki pi puissant ki li même a bénéficié de mesures qui prend. Et c'est pour ça moi dit que gen nécessité pour que jodi a nous parler de transformation économique. Je vais dire réforme économique. Je dis transformation économique. Parce que l'économie nous gagne là aujourd'hui, hein, son économie qui prend en otage par un petit groupe de monde. Il y a deux compagnies seulement qui ont un téléphone portable en Haïti. Assumé? Il y a 5 personnes qui ont importé gaz dans le pays seulement. Il y a 5 personnes qui ont importé fer seulement dans le pays. Il y a 3 personnes seulement qui vendent farine dans le pays. Il y a 4 personnes seulement qui vendent du riz dans le pays. Ça veut dire que son économie qui prend en otage. Donc ça veut dire que sous papa mi moun sa yo, c'est papa da pou vendre. Sous papa mi moun sa yo, son petit dépôt qui a revendu cola pour le vendre. Souvent, les gens ont son atelier couture pour gagner. Pour couper pantalon. Couper robe. Tant de ça veut dire qu'au final, l'économie hein, a produit des pauvres. Pendant que les ressources là. Mais que l'autre monde a profité. Parce que qui ça n'assiste aujourd'hui? Pour moi là qui fait qui est étudiant dans le domaine de l'économie, nous avons arrivé au taux de croissance économique. Qui c'est évolution, production, richesse dans le pays. C'est ça la croissance économique. Maintenant, croissance démographique. C'est évolution population.
N'a suivi. Dans le cas d'Haïti, chaque année passée, évolution population hein, plus rapide que évolution richesse là. Ça veut dire que en beau créole, Haïti produit plus monde que richesse chaque année. Qui ça s'abaille, là qu'on espace qui gagne plus monde que richesse chaque année. Il va pauvreté. Donc pauvreté a pas sur le ciel là, ni en bas terre. C'est incapacité que le pays a gagné pour créer richesse pendant que il y a plus monde qui a fait. Maintenant, pour résoudre des déséquilibres, il faut qu'on passe par transformation économique. Même là, notre vérité encore. L'autre des radios, on va comprendre que le pays a gagné deux problèmes économiques. Dollar qui a monté, c'est ça? Avec prix qui a monté, la vie chère. Qui est-ce qui j'aime poser problème création d'emploi? Personne. Alors que l'objectif économique le plus important dans le pays, c'est qui j'aime à créer travail. Et pas des personnes qui intéressent à l'objectif ça. Depuis mes économistes, beaucoup j'aime dans nos leurs, ont annoncé ou annoncer qui sa objectif création d'employés pour aller. Bah j'aime te dire ça. Faut nous comprendre. Ça veut dire que ça qui est bien important pour nous en tant que citoyens, hein, pas intéresser mounio, capitaine. Faut nous comprendre. Préoccupation l'État, pas préoccupation population. Je dis à mon gars du GPIA, mon seul rêve que je fais chaque soir, c'est référendum. Rêve peuple à faire, c'est misère à la sécurité. De base, bien. C'est-à-dire que mon inadéquation entre ça que l'État lui-même n'y gagne comme objectif et sa population a gagné comme besoin. Et c'est pour ça que le problème n'est pas résolu. Parce que le problème n'est pas même la fête feedback. Le problème n'est pas même dans l'objectif là. Yeah. Okay. Allô? Ok. Donc ça veut dire que c'est difficile pour atteindre des objectifs sans que l'objectif là ne pas poursuivre. D'où, je dis, hein, ce n'est pas un hasard que nous avons un pays qui pas marche. C'est parce que pas de gens ont une planification qui allait dans le sens du développement. Il faut que nous comprenions. Le sous-développement en Haïti, ce n'est pas une fatalité que lié. C'est parce que pas de gens ont une réflexion qui fait pour le développement. En 1960, Saint-Domingue avec Haïti était dans le même niveau économique. Même niveau. Même niveau. Je dis à Saint-Domingue 10 fois plus riche qu'Haïti. En 60 ans d'histoire, nous passons de même niveau à 10 fois plus. Et qui ça nous gagne comme situation? En 2021 en Haïti, nous pas qu'à fier de tête nous. Parce que les ancêtres nous ont fait indépendance. Ça c'était plus difficile là. Alors que je dis, attendez bien ça me dit. Nous avons 3 millions de monde qui pas baptisé en Haïti. 3 millions de monde qui pas baptisé. Pas aucun papier qui écrit nous. Il y a 2 millions de personnes qui n'ont pas de côté pour faire besoin en Haïti. 2 millions. C'est sous galette. C'est dans la Rage. C'est Bolomé. Bon Rivière. 2 millions.
Ou gen à peu près 7 millions de monde qui pas manger bien chaque jour en 2021. Donc ça c'est réalisation pas nous. Et faut nous suspendre par les 207 yo parce que fait partition pas yo. Nous pas fait pas nous. Et m'a dit encore une fois c'est pas une fatalité que lié. Même si c'est chrétien mais c'est pas fatalité. C'est pas malédiction. C'est parce que nous pas jamais arrivé faire une planification, une réflexion et pour nous mettre Haïti au centre de la politique. Gèdè moun la parle de politique seulement qui a dit que bah ça pas intéressé. Même pas dit nous bah pour moun qui pas connaît ça. C'est politique qui décide sous vie nous chaque jour. Ma propre ça veut dire. C'est politique qui décide sous vie nous chaque jour. C'est moun qui n'a pas l'air qui n'a primature qui décide est-ce que Saint-Michel a gagné l'hôpital, est-ce que l'a gagné de l'eau, est-ce que l'a gagné route, est-ce que l'a gagné l'école professionnelle. Faut pas oublier ça. Ça veut dire que condition de vie nous liée à des décisions politiques. Maintenant pour qui ça décision politique yo pas arrivé sous nous parce que c'est mauvaise politique. Et pour qui ça c'est mauvaise politique parce que nous pouvons arriver mettre justement bon monde pour faire bon politique. Qui vient faire que je dis hein, nous en face d'un échec collectif. Un échec collectif. Et qui m'a dit, j'aime d'abord dire d'aller, une véritable transformation. Je vais vous donner 6 points. 6 points qui méritaient. Merci un peu. C'est un faux problème. Ok? D'ailleurs, je ne vais pas commenter sur lui encore. Rarement. C'est un faux problème. Donc, le problème de l'IA, pas de richesse qui a créé, pas de travail qui a créé. Mais le problème, non. Donc, le problème fondamental de ce pays n'est pas le taux de change, mais le fait que pas de richesse qui a créé, pas de travail qui a créé. Même les prix augmentés, si tout le monde a travaillé, il n'y a pas de déranger comme ça. C'est parce que vous n'avez pas de revenus qui font le déranger. Dans tous les pays du monde, il y a inflation. Dans tous les pays du monde, il y a dollars qu'on a monté, bon, mais descend. Donc le vrai problème que vous n'avez pas dit, c'est que l'économie n'a pas de richesse avec l'emploi qu'a créé là-dedans. Et c'est ça le drame. Donc ma question fondamentale, il y a 6 niveaux que. Il faut que nous fassions transformation. Première, il faut que nous fassions transformation sous un budget affecté dans le pays. La politique budgétaire. Nous avons des gens qui critiquent un peu l'affaire budget. Et une critique que nous faisons, c'est que le budget national est un budget centralisé qui n'est pas intéressé à développement dans la commune. Qui n'est pas intéressé à développement dans la section, la quatrième section de Yagouane. C'est un budget centralisé. Côté que 94% dépenses de fonctionnement, c'est pour l'Ouest. 6% pour notre département. Saisi. Donc c'est pour une surprise, non? Si on est connu, on a un bois, on a un café. C'est pour une surprise si que tu y vas de n'y pas un café. Ou bien un eau, bien votre côté. Hein? C'est parce que budget, attendez bien, mais ça budget. Le budget, c'est l'outil principal de planification économique. C'est lui qui dit qui ça va régler dans le pays pendant l'année. Non, c'est bien. Donc, les nègres à faire budget,
et qu'il y a des zones qui ne sont pas intégrées là-dedans. Il met tout comme là dans l'autre bagaille qui concerne les têtes avec zone avec famille. Et c'est ça qui va être sous développement. Donc, premiers outils de transformation pays doit passer par le budget national. Et en tant que citoyen, il faut comprendre que le budget a intéressé nous. Parce que le budget a qui peut dire est-ce que nous avons la caille nous avons un développement ou non. Est-ce que le département NIP a un bagage dans le pendant 12 prochains mois ou non. Mais, il y a un mensonge qui est dans le budget. Je vais dire là, pour n'importe qui qui a un rêve député ou sénateur demain matin. Lorsqu'on fait budget, en général, député ou sénateur, il a toujours dit bon, on a dit que c'est député pour Miragouane. Et le député a dit bon, d'ailleurs, son geste, c'était le président de la commission finance. Voilà, merci tout le monde, les arrivés. Merci, c'était professeur Edier Emile qui t'a parlé là. N'a pas